Et salut les bricots. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous filmer parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour un haul très spécial où je vais vous montrer tous les matériels que j'ai achetés pour tous les DIY qu'on va faire dans ma chaîne. Donc je suis allée faire les courses aujourd'hui et du coup j'ai voulu vous filmer le soir même parce que sinon je vous filmerai pas cette vidéo pendant un long bout de moment. Du coup, si vous voulez savoir tout mon haul, suivez-moi. Pour commencer ce haul, je vais pas pouvoir mettre mon petit cadre comme d'habitude parce que j'aurai besoin d'espace pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc, je suis allée dans plusieurs magasins. Je suis allée à Cultura, à Action, à Leroy Merlin, à Babou. Enfin, je suis allée à plusieurs magasins pour trouver vraiment les matériels parce que c'est important d'avoir les bons matériels pour faire tous les bricots que je fais. Donc, j'ai mes reçus juste à côté de moi et je vous dirai le prix à chaque fois si ça vous intéresse tout ce que je vais vous montrer. Donc, on va commencer. Donc, j'ai tout mis dans ce sac. Et donc on va commencer par un indispensable que j'ai acheté. Donc c'est un carrelage comme ça que j'ai acheté dans le magasin Leroy Merlin. Donc c'est un petit carrelage. Donc vous voyez des petits motifs mais c'est tout lisse. Donc pourquoi faire ce carrelage? C'est quand vous faites vos fumos, il y a beaucoup d'youtubeuses qui utilisent ce carrelage. Donc c'est un carrelage qui m'a coûté 2,99€. Donc il ne m'a pas coûté vraiment très cher. Parce que là j'ai pris avec des motifs, mais sans motifs ça a coûté environ 7€. Du coup je me suis dit pourquoi pas le prendre avec des motifs. Donc vous pouvez en trouver partout. Donc vous pouvez trouver dans tous les Rois Merlin. En fait vos modelages de fimo. Comme ça vos fimo ils restent bien. Ils restent bien lisses. Donc voilà pour le premier matériel. Voilà, donc c'est comme ça, tout simple. Mais il faut franchement que ça soit lisse parce que sinon ça va pas être très bien. Donc ensuite, si j'ai acheté ça pour la fimo, bien sûr, de la fimo. Donc j'ai acheté de la fimo, donc là je vous en montre un seul. Donc moi j'achète toujours la fimo soft. Après il y a la fimo effect, il y a la fimo professionnelle. Mais je préfère la fimo soft parce que j'utilise depuis très longtemps la fimo soft et je trouve que c'est celle qui marche le mieux. Et aussi elle coûte pas très cher, donc je pense que vous pouvez en trouver partout dans les magasins de loisirs créatifs. Voilà, donc elle m'a coûté 1,99€. Je l'ai acheté chez Cultura. Voilà, donc c'est toujours 57 grammes de fimo. Voilà, donc j'ai acheté le numéro 43 Cher Claire. Donc, je vais essayer de faire le focus. Bon, vous voyez le numéro 43 et là normalement bon, ça veut pas, mais c'est le numéro 43 Cher Claire. Voilà, j'ai acheté cette fimo, j'ai acheté de la fimo soft, voilà, comme d'habitude, le numéro 33 bleu brillant. Voilà, 33 bleu brillant, donc c'est toujours 1,99€. Ensuite j'ai acheté de la couleur limon, le numéro 10 de la couleur orange clair, désolé, le numéro 41 de la couleur gris dauphin, numéro 80. Donc si vous les voyez emballés comme ça c'est parce que j'ai dû les remballer parce que j'ai été très vigilante. Donc ensuite là j'ai acheté effect, donc c'est la première fois que je vais tester la fimo effect. Je trouve qu'elle est déjà au toucher, je trouve qu'elle est beaucoup plus molle que la fimo soft. C'est parce qu'en fait il n'y avait plus de rose sur la marque soft, du coup je me suis dit pourquoi pas tester une fois la fimo effect. Donc c'est le même prix, c'est 1,99€.
Et par contre, ça n'a pas la même emballage. Donc, c'est pas trop pratique parce que lui, on peut le remballer. Et du coup, lui, non. Mais bref. Donc, c'est la couleur rose vif. Je pense que vous voyez. Donc, le numéro 201. Ensuite, on va faire vite. Donc, la couleur prune. De la couleur prune, numéro 63. Ensuite, j'ai acheté deux blancs. Deux couleurs blancs. Parce qu'on utilise vraiment beaucoup le blanc, donc numéro 0, couleur blanc. Voilà, donc je vous demande combien de temps, ce serait beaucoup plus rapide. Ensuite, j'ai acheté la couleur chocolat, numéro 75. J'ai acheté la couleur noire, numéro 9. Et j'ai acheté la couleur tropicale, vert tropical, la couleur vert tropical, numéro 63. Donc vous voyez beaucoup plus mots, mais normalement j'en ai pas assez beaucoup puisqu'il me faut beaucoup plus de couleurs pour que je puisse travailler. Et ensuite, pour terminer, la couleur rouge indien, le numéro 24. Voilà, donc je vous les montre tous au cas où si vous voulez vous en procurer. Donc voilà, tous les fumeaux que j'ai achetés. Donc si vous voulez faire de la fumeau, je vous le redis, c'est vraiment un indispensable, la plaque de carrelage. Donc voilà pour tout ce qui est de fumeaux. Donc tous mes fimo m'ont coûté 1,99€. Donc voilà. Je les ai achetés chez Cultura. Et voilà. Donc en tout j'en ai 13. Donc voilà. Donc je ferai des vidéos fimo. Peut-être dans pas longtemps, mais pas rapidement, ça c'est sûr. Donc voilà pour tout ce qui est de fimo. Donc ensuite, pour rester dans la partie fumo, j'ai acheté un rouleau acrylique de modelage. Voilà, donc c'est un rouleau transparent, c'est un rouleau acrylique qui fait partie aussi des indispensables. Parce que les autres rouleaux, comme les rouleaux de pâtisserie qu'on utilise, ou des rouleaux en plastique, ça marche pas trop, ça colle avec la fumo. Du coup, j'ai voulu acheter un rouleau spécial fumo, donc je vous conseille le rouleau acrylique. Donc moi j'ai pris le petit, après il y en a un gros qui est un petit peu plus cher quand même. Je l'ai acheté chez Cultura, mais vous voyez que c'est de la marque Creelia, mais je l'ai bien acheté chez Cultura. Voilà, je l'ai bien acheté chez Cultura. Donc voilà, donc c'est même marqué rouleau acrylique modelage. Donc le prix, je l'ai payé 10,49€. Donc si vous voulez le plus gros, ça coûtera vers les 12€ et quelques. Voilà. Donc moi j'ai préféré prendre un petit. Donc il m'a coûté 10,49€ chez Cultura. Donc voilà. Toujours avec la fumo. Donc moi je trouve que c'est toujours un qui fait partie des indispensables. Donc ensuite, pour rester dans le modelage, donc ça j'ai acheté comme ça. Je me suis dit pourquoi pas en prendre. Donc j'ai acheté toujours de chez Cultura. Et de la marque Creelia de l'argile. Donc moi c'est de l'argile naturelle. Parce que avec de l'argile vous pouvez créer plein de choses comme la fimo. Et du coup j'ai pris cette couleur parce que j'avais pu trouver l'autre couleur. Et il y avait beaucoup plus. Il y en avait beaucoup plus de l'argile. Donc c'est beau puisque il y en a 1,5 kg. Il y a 1,5 kg d'argile à l'intérieur. Donc c'est écrit là. Ici, donc moi c'est de l'argile naturelle comme vous pouvez le voir. Donc l'argile naturelle que j'ai acheté chez Cultura m'a coûté 2,19€. Donc ça m'a vraiment coûté pas cher pour 1,5 kg. J'avais vu en 200 grammes comme ça à 16€. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je prends ça parce que ça coûte vraiment pas cher du tout. Enfin, c'est carrément donné. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et je vais pouvoir faire plein de choses avec. Donc, bien sûr, comme vous l'avez vu, l'argile, eh ben, elle n'est pas de la couleur. À faire des modelages très très beaux. Du coup avec ça, donc avec ça j'ai acheté de la peinture acrylique blanche que j'ai acheté chez Action cette fois-ci. Donc j'ai acheté chez Action donc de la peinture acrylique, la gouache elle est plutôt faite pour le bois, le papier, tout ça, mais elle la peinture acrylique, et ben elle est faite pour tout. Pour les papiers, le bois, les toiles aussi de peinture. Et avec l'argile, ça va beaucoup plus rester sur l'argile. Donc la peinture, elle va rester sur l'argile avec
alors que la gouache, eh ben, elle va s'en aller au bout d'un temps. Elle va rester. Du coup, j'ai acheté un gros tube de combien de 250 millilitres. Voilà, et donc je l'ai acheté chez Action et je pense qu'elle m'a vraiment coûté pas cher du coup. Donc elle m'a coûté 1,95€. Voilà, 1,95€. Donc après, c'est vous qui décidez si vous trouvez ça cher ou pas. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté pour me faire plaisir. Après, si vous voulez que je vous fasse des tutos sur ça, ben, je vous les ferai. Et donc j'ai acheté toujours chez Cultura de la marque Créa encore. Donc j'ai acheté des Scooby-Doo. Donc c'est des Scooby-Doo. Donc j'ai acheté ça parce que je me suis dit que ça coûtait vraiment pas cher. Et ça fait longtemps que je faisais plus des Scooby-Doo. Et vu que je sais vraiment faire des formes très très belles, ben, je me suis dit je pourrais en faire pour vous. Et pourquoi pas vous partager ma passion. Donc il y a des couleurs bleues, des couleurs violettes pastel. C'est plutôt des couleurs pastel, des couleurs rose fluo, des couleurs vertes, des couleurs jaunes, des couleurs violettes, je sais pas si je vous l'ai dit. Enfin, il y a plein de couleurs trop jolies. Donc c'est de 80 cm à 30 cm. Donc ça m'a coûté. Je pense que ça m'a coûté pas cher aussi. Ça m'a coûté. Je vérifie. Voilà, ça m'a coûté 1,99€ aussi, donc comme la Fimo, donc j'en ai beaucoup, donc je pense que j'ai plutôt, je vais pas en faire beaucoup, mais genre, je vais vous partager quelques tutos et le reste, je vais les partager avec mes frères et sœurs. Donc voilà pour ce qui est de Scooby-Doo. Ensuite, j'ai acheté chez Cultura, je pense, donc c'est pour la Fimo et aussi tout ce qui est bricolage. Donc, j'ai acheté un cutter de précision. Donc je pense que vers mes premières vidéos, je vous ai montré un cutter que j'utilisais. Il était gris, il était gros. Et vous voyez, la pointe, eh ben, elle est bien appropriée pour bien couper. Ça coupe bien, tout ça. Et l'autre que j'avais, il coupait pas trop bien. Je vais forcer, lui, il coupe directement. Il va falloir que je fasse attention aussi. Donc si vous achetez ça, il faut faire très attention. Donc c'est un cutter plus deux lames de recharge. Donc lui, de base, il était à moins 50%, mais quand je suis arrivée à la caisse, ben, il y avait pas de moins 50%. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Donc lui, il m'a coûté, quand je l'ai acheté chez Cultura aussi. Donc il est rose, comme ça, donc je le trouve très 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 joli. Donc il y a deux recharges, juste ici, et ici, il y a un bouchon, je trouve que c'est bien pour cacher. Donc pour ce qui est de ce cutter, je pense que je l'ai acheté chez Cultura, et que je l'ai... 4,77€, c'est bien ce qui est marqué à l'arrière. Voilà, donc c'est bien ce qui est marqué à l'arrière. 4,79€. Voilà. Donc ils ont bien précisé aussi que c'est un cutter de précision plus de lame de rechange. Donc les deux lames, en fait on n'a pas besoin de changer, je pense, les lames, à part si elles deviennent vraiment rondes, donc là vous les changez. Donc voilà, donc c'est très 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 utile pour couper la fimo, pour pas couper avec des couteaux, pour avoir vraiment un truc qui coupe bien, parce que la fimo, des fois, pour la ranger, et là, vous avez plein de grosses boules, et ça sèche, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Du coup, pour faire tous mes bricolages, je me suis acheté ce cutter de précision, j'en avais énormément besoin. Donc voilà, donc notre haul est déjà presque fini, donc j'ai laissé le meilleur pour la fin, donc c'est déjà, je vous parle déjà. Donc j'ai cherché dans Cultura ça, donc je pense que vous allez deviner. Donc j'ai cherché sur Cultura, en fait il y a une marque précise, donc il y a beaucoup de youtubeuses qui ont une chaîne YouTube spécialement où ils présentent ça. Donc en fait j'ai regardé et j'ai vu qu'ils disaient que c'était excessivement cher sur Cultura. Du coup je suis quand même allée voir sur Cultura et j'ai vu aussi que c'était très cher, ça coûtait vers les 24€, les 18€ comme ça, alors que on est d'accord, ça valait pas du tout, mais pas du tout le prix. Après c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup mieux, tout ça, mais bref, du coup je suis allée voir je suis allée voir à Leclerc, donc je suis aussi allée à Leclerc, donc je suis allée dans la partie culturelle, et j'avais vu aussi, mais sauf que ça coûtait 56€, donc là j'étais vraiment, voilà. Et du coup ensuite je suis allée chez Action, donc je sais que chez Action il y en a, mais vu qu'il y en a beaucoup qui se jettent dessus comme ça, donc je ne m'attendais pas à, voilà,
Donc ensuite je suis allée et là j'en ai trouvé, il en restait plus que 3. Alors bien sûr j'étais super contente. Donc il n'y avait que 2 modèles. Et du coup j'ai pris un modèle que j'aime beaucoup. Donc c'est bien sûr les Diamond Painting. Ouais, le Diamond Painting. Donc on appelle le Diamond Painting des DP. Voilà, donc D de Diamond et P de Painting. Donc voilà, donc j'ai acheté un DP. Donc je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Je vais vous montrer comme ça. Donc c'est un DP comme ça. Un DP chez Action, il se présente comme ça. Alors oui, le DP de chez Cultura, il est. Donc lui, ah oui, je l'ai acheté à Action. Donc à Action ça coûte vraiment pas très cher. Ou sinon je vous conseille de commander chez AliExpress, ça coûte que 2,49€ chez Home Fun. Et donc moi je l'ai acheté à Action parce que je l'ai vu et c'est la première fois que je viens de Action, puisque quand j'ai vu. J'ai vu toutes les vidéos de Diamond Painting, ça m'a vraiment attiré. J'aime tout ce qui est loisirs créatifs. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tester sur les loisirs créatifs, ça pourrait être bien. Et du coup, je suis tombée sur ça et j'ai vraiment craqué parce que j'aime beaucoup ça. Donc, je pense que je vais en refaire. Voilà, donc ça, je l'ai acheté à Action à 4,49€. Donc, vous imaginez de 24€, 56€, 18€ à 4,49€, c'est vraiment pas cher. Du coup, je me suis dit, je le prends. Du coup, je l'ai pris, donc voilà. Donc je sais que vous avez envie que je vous l'ouvre, sauf que voilà, donc vous pouvez voir déjà ce qu'il y a à l'intérieur, l'image comment elle est, donc désolé si je tords, je peux pas tourner parce que sinon vous n'allez pas voir tout. Donc du coup je vous ferai une prochaine vidéo unboxing où je vous montrerai tout ce qu'il y a à l'intérieur des DP de chez Action. Donc je vous montrerai comment c'est l'intérieur des DP de chez Action. Je vous montrerai les détails, mon ressenti, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je vous montrerai tout sur ça. Ensuite je vous ferai aussi des vidéos tuto finaux. Donc je vous avais dit qu'à partir du 11 juillet, donc on est le 11 juillet, mais je pense que je les publierai soit le 12 juillet, je sais pas trop, ou le 13. Je pense plus vers le 13, mais ça peut être en avance. Donc je vous ferai aussi, comme je vous ai dit, des tuto sous les deux, je pense que j'en ferai une ou deux vidéos et je vous ferai peut-être, je pense pas, des vidéos d'argile. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos d'argile parce que je pense pas que ça intéresse quelques gens. Donc en tout cas je pense que ma prochaine vidéo va être vraiment basée sur le DP puisque c'est la première fois que je vais faire un DP, donc je vais le faire avec vous. Donc je vais l'ouvrir en direct avec vous, donc la vidéo que je vais filmer ça va être juste après cette vidéo. Et vous ça va être peut-être 3 jours après, je sais que vous avez hâte mais il faut vraiment attendre. Et donc du coup c'est fini pour mon haul, donc je pense que voilà. Donc après il y a plusieurs formes aussi de DP, donc moi c'est un DP 30 x 40 cm. Donc tous les DP de chez Action sont 30 x 40 cm. Donc il y avait un autre modèle mais j'ai préféré ce modèle, voilà. Donc qu'est-ce que c'est des DP? Donc déjà c'est déjà un painting. Et un DP c'est une toile, voilà, c'est un tissu où vous avez des toutes petites images imprimées, vraiment. De la taille, vous voyez c'est un petit pixel, mais en fait c'est une mosaïque de diamants. Donc c'est vous qui allez poser les diamants dessus, du coup ça vous fait une petite activité où vous amusez à poser les diamants. Donc aussi va falloir se méfier à ne pas avoir de rivière, donc ne pas avoir des grosses boules de colle, je pense, sur votre dessin, ça arrive des fois. Je vais vous apprendre comment décoller votre papier, enfin tout en fait, parce que je pense pas que vous compreniez ce que je parle parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je vous apprendrai tout sur le DP. Donc voilà pour cette magnifique DP. Donc voilà. Donc voilà, j'ai plus rien dans mon sac. C'est ce haut. Ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao !